Moi pour moi, je me considère vieux à partir de 30 ans. Tu vois, pour moi, à partir de 30 ans, t'es vieux. À partir de 50 ans, t'es vraiment vieux. Et après, à partir de 70 ans, t'es... voilà quoi, tu vois. 50 ans, c'est pas vieux. Si, 50 ans, c'est vieux. 50 ans, c'est pas... C'est très vieux. On va pas se mentir, les gens. Bah, 30 ans, tu commences à être plus jeune. Tu vois, c'est... En fait, c'est ça le truc. C'est que pour moi, t'es vieux quand t'es plus jeune, tu vois. Parce que pour moi, il y a que deux catégories. Il y a jeune et vieux. Et tu vois, je pense que tu commences à devenir vieux à partir de 30 ans, tu vois. Mais après, tu vois, t'es vieux tranquille, tu vois. Tu vois, il y a vieux, très très vieux, très très vieux, et après, il y a mourant, tu vois. Tu vois, il y a un partir d'un moment, c'est assez triste, mais bon. Tu vois, genre quand, à partir du moment où tu peux mourir à tout moment, c'est que t'es vieux, quoi. Enfin, t'es mourant, quoi. Après, il y en a qui sont en bonne santé, hein, et j'espère que ma grand-mère va vivre très très longtemps encore, hein. Parce que je l'aime de tout mon amour, mais... Mais tu vois, pour moi, c'est... Bon. La gueule, le coup, c'est chiant. Bah, tu peux mourir très jeune aussi. Oui, mais après, c'est des proportions, tu vois. Genre, on va pas se mentir que bon, tu vois, t'as plus de chances que ton arrière-grand-mère ou ta grand-mère meure que ton petit cousin qui a 8 ans, tu vois. Après, attention, il peut y avoir des accidents et tout ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, après, ça dépend où tu vis aussi. Et ce que tu fais aussi, quoi. J'ai jamais gagné un skin. Comment la joue dans LoL? Tu vas dans la boutique. Et c'est dans la boutique. Ah ça, je me suis suicidé et on deny pas mal de farm, mais... Bon, ok, Briard m'a l'air boosted, les gars. On va peut-être pas jouer autour de mon mid, hein. Nice.
Canaille, c'est big. Bon, c'est big en vrai. Là, on a récupéré pas mal. Et on va faire tous les camps là, on va reset, on va faire le bleu et on va jouer un peu autour de la bot lane pour avoir le Drake. Ok, on a 2k gold, on est bien. Objectif là, faire mon bleu, faire ces deux camps et essayer de jouer autour du bot. Et on est bien en vrai hein, la game. Hein. Nice. Ok, on a un Drake, on a les 3 Void Crubs, on est en 1-3 et encore une fois c'est un suicide, donc c'est pas vraiment une mort. Et on sait que c'est Warn là, on va essayer de passer par là. Donc la hache. On est vu. Ok, bon on a récupéré des killbots, un peu le key, H après la clean c'est flash je crois. Après ils ont récupéré beaucoup de plates, c'est vraiment pas dégueu. Okay, nice. Et alors bleu dans 34, on peut le jouer je pense. Je vais avoir mon R. Je pense pas que ce soit Warn. Top il a pas de TP. Nice. Okay, bien joué Briard. Ah.
Ouais, dans 45 secondes, je pense que je vais reset. J'ai rien à jouer là. Je pense qu'on va go Zonia contre leur team, ça a vraiment beaucoup de value. On va vendre ça. Ouais, on va go Zonia en 2. Là, l'objectif, faire mon raid. Dans 28 secondes, donc le temps que j'arrive, j'aurai de quoi faire mon raid. Ah, Fiora qui... Fiora qui a overextend sans aucune raison. Ah, pourquoi j'y vais? Donc là, ma team vient de donner 3 kills gratos, quoi. Ouais, je sais pas, ma team est nulle. Hein. Ah, le problème, c'est que c'est toujours le même problème. C'est que ma team, mes mates sont nuls. Hein. Moi, en plus, là, c'est une game où j'ai pris aucun kill, j'ai que des assists. Ouais, un peu chiant quoi. Bah la Fiora c'est je connais que la top lane et je push comme une débile hein. Tu sais les mécaniques 0, réflexion 0. Enfin mécanique peut-être qu'elle en a sur le champion mais... Ça c'est vraiment le joueur qui est là en mode j'ai tag top, je reste top et je push H24. Je vais peut-être mourir 22 fois en 1v1. Ouais, je pense que cette game on va pas pouvoir la gagner. Ma Fiora est débile, mon mid il a pas l'air fou. Du coup ouais ça va être compliqué comme game. Ah, en fait, il joue à 3 et moi, ouais. Voilà, bon, la game est loose. Hein. Là, la game, c'est que en mode. Est-ce que tu as la capacité de grouper et de jouer en team? Moi, ma team, elles sont chacun solo. Ils pêchent comme des débiles et meurent. Et eux, ils sont tout le temps en groupe à 2-3. Quelle équipe gagne? Bah, l'équipe qui groupe. C'est que ça le jeu maintenant. Hein. C'est littéralement que ça maintenant League of Legends. Hein. C'est est-ce que ta team a la capacité cérébrale de se dire c'est un jeu de 5v5, il faut jouer à 5. Si oui, t'as gagné. Sinon, t'as perdu. Mais là, le problème, c'est que je pense que leur botlane est plus fort que ma botlane. Le Karthus, il va plus scale que moi. Ma Fiora, elle a l'air débile profond. Donc ouais, je pense que la game est injouable, quoi. En vrai, on peut gagner. Hein. Si la team décide de grouper, on peut la gagner, la game. Mais bon, quand tu regardes comment ils jouent là, bon... Mais go m'aider. Mais ils ne m'aident pas. Ils ne m'aident pas frère. Ils sont là en mode bah on est là mais on joue pas quoi. Ouais, je pense que la game elle est pas très gagnable hein.
Ouais, je pense que c'est pas gagnable malheureusement. Notre Varus c'est un droïde. Bah notre Zira il joue Zira et bon Zira c'est pas ouf comme pick. Briard bon il est obligé de mourir 22 fois. Ouais je sais pas si elle est gagnable en vrai la game. Je pense pas mais... Je pense pas. Ça en est où ton jeu Bonobro? Ça avance, ça avance. Ouais, en fait le problème c'est que je vois aucune win condition où on peut gagner tu vois. Parce qu'en split on va même pas gagner, en teamfight on va même pas gagner. Donc je vois pas en mode sur quoi on peut gagner la game. Et en face tu vois eux ils font les objectifs à 3, ils regroupent, ils jouent en team tu vois. Ils peuvent facilement faire des engage avec Bard la hache. Alors que moi ma team tu sais c'est vraiment solo queue player, je ne groupe jamais, je ne joue jamais avec mes coéquipiers. J'essaye de 1v1, si ça passe c'est bien, si ça passe pas, bah tant pis, je réessayerai, tu vois. Donc du coup, ouais, je vois pas trop comment on peut la gagner. En plus, j'ai pas fait assez de rec. Bon, après... Mais là, tu vois, par exemple, le Varus qui push solo sans ward et tout, c'est... Je suis désolé, mais c'est silver, les gars. Genre Briard qui va solo, Varus qui go solo, tu sais c'est des joueurs où t'es là en mode ah bah désolé t'es une merde en fait. Tu sais genre là ils font le Nash, y'a Zera qui comprend un peu mais y'a rien tu sais, t'es là en mode bon Varus il va être là en mode bah j'ai AFK. Tu sais c'est triste à dire mais limite y'a que la Zera qui joue hein. Ah dommage, Varus t'a servi à rien. Le Varus met pas d'auto-attaque, frère! Ouais, Varus est boosted. Je ne vois pas d'autre explication que le Varus a acheté son compte, c'est... Me faites pas jurer les gens.
Tu vois, mon ulti il revient très vite à ce niveau là, Osef. Hein. Ouais, il y avait un monde où la HL revenait. Bon, ce monde était faible, mais. Là, de toute façon, il me faut mon item. Ouais, 2 pour 2, bon c'est pas fou mais... Ouais j'ai un peu troll. Merci à toi Spotart et Bianco Reno. Bon, y a le Nash, ça me fait mal de devoir jouer avec des new comme ça. En fait, ce qui est chiant, c'est que j'ai pas un champion qui peut turbo snowball. Et là, tu vois, genre j'ai fait un bon early, mais j'ai eu que des assists. Et mes mates voulaient vraiment pas jouer avec moi, tu sais. Ok, elle nage dans 50 secondes. Ok nice, on prend le bleu, on fait le Drake, on passe level 16 et on invest 9-1. La Fiora en mission. Ouais. Ouais. On peut finir la game. Ça
Encore une fois, hein, c'est marrant, du moment où on a groupé, on a joué en team, on a gagné la game. Hein. C'est marrant. Il y a peut-être quelque chose à faire, hein, du coup. Quand on groupe pas, on perd. Quand on groupe, on gagne. Ah, il faut réfléchir. Hein. Merde, putain, j'ai Honor Varus alors que c'était le pire joueur du monde. Bon, allez, 3-0.